Et le départ est validé pour cette deuxième finale du Cross à Poney, prix des collectivités territoriales Poney. C'est le tronc d'arbre franchi en tête par Baby Boy qui donne du fil à retordre à son partenaire Gaston Merienne qui a pour le moment réussi à rester en selle. Il vire à droite une première fois dans le premier tournant et c'est donc Baby Boy qui a l'avantage. Mais vient lui prendre le meilleur à son extérieur, le numéro 4 Certain Cheetah qui prend 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 longueurs d'avance pour aller sauter le chapeau de gendarme. En troisième position vient Karaoke des Vallons qui est donc troisième. En quatrième position vient It's a Boy devant le numéro 2, Brunologue Acorn et Brune Rossignol. En dernière position, A Certain Pandora. Et c'est un rythme très soutenu que va franchir en tête Certain Cheetah, un nouvel obstacle. 9-10 longueurs d'avance sur Baby Boy qui est en deuxième position et qui franchit tant bien que mal cette haie. En troisième place, c'est venu It's a Boy devant Karaoke des Vallons, devant encore A Certain Pandora et Brunologue Corn. Nouvelle haie franchie, on va aller patauger une première fois dans le guet avec A Certain Cheetah qui il va gaiement en tête et qui en ressort avec un petit peu moins d'avance puisque son partenaire a réussi à le reprendre. En deuxième position, Baby Boy qui s'est quelque peu détendu sous la main de son partenaire. En troisième position, le numéro 6, It's a Boy, Karaoke les Vallons qui vient quatrième devant encore Brunologue Corn et c'est A Certain Pandora qui ferme la marche. Nouvel obstacle franchi, on a réduit quelque peu le rythme en tête, un peloton bien formé mais en file indienne avec Certain Cheetah qui est en tête, It's a Boy qui est passé deuxième précédent, Baby Boy devant encore Karaoke à des Vallons, Brunologue Corn et sous vos applaudissements mesdames et messieurs, ils vont venir passer là et devant les tribunes, les oreilles bien pointées, le numéro 4 Certain Cheetah, It's a Boy est en deuxième position. On vient troisième, un petit peu plus loin, Baby Boy pour aller sauter une deuxième fois le tronc d'arbre. Quatrième, s'est rapproché le numéro 3, A Certain Pandora, précédent Karaoke des Vallons et Brunologue Corn, le blanc, qui ferme la marche. Le chapeau de gendarme qui va être franchi une deuxième fois en tête par A Certain Cheetah. En deuxième position, le numéro 6, It's a Boy, qui a quelque peu piqué du nez, mais qui est relancé par son partenaire Jordan Major Creek et qui est donc reste deuxième, loin devant Baby Boy, qui est troisième. Certain Pandora, qui produit son effort maintenant et qui place une accélération pour se rapprocher des premiers. Devant encore Karaoke, les Vallons, c'est plus dur pour Brunologue Corn. La dernière partie du parcours abordée en tête par Certain Cheetah, avec sur son dos Philippine Madame. En deuxième position, It's a Boy. Troisième, Baby Boy. Devant encore A Certain Pandora, Karaoke des Vallons. Ces cinq-là nettement détachés du numéro 2. Le passage du gain une dernière fois. Moment choisi par Jordan Major Creek pour venir attaquer A Certain Cheetah qui repart sous son attaque. En troisième position, Baby Boy. A Certain Pandora qui tente de refaire du terrain. Il ne reste plus qu'un obstacle à franchir avec A Certain Cheetah qui a repris des longueurs d'avance sur ses poursuivants que sont A Certain Pandora qui vient maintenant en deuxième position. It's a Boy et troisième devant encore Baby Boy. La dernière ligne droite, ils sont quatre pour la victoire avec A Certain Cheetah qui repart sous les attaques de bout en bout après avoir pris des longueurs d'avance au départ. S'est fait rejoindre, mais il est reparti sous les attaques avec Philippine Madame et il va s'imposer de la plus belle des manières pour la Kazakh du Haratsin. Voir A Certain Cheetah qui va s'imposer dans cette finale du championnat de France à Poney. La deuxième place pour A Certain Pandora devant Baby Boy, It's a Boy, Karaoke des Vallons, alors que le numéro 2, Brunologue Acorn, a perdu son joker en route.